Oh non, c'est pas si mon tuteur, c'est pas en train d'affaire à défendre des mangas. Des dieux en manga. De manga. Alors, vous aurez besoin alors d'un grand papier ou d'un. J'ai oublié que ça s'appelle. Voilà. Une gomme. Alors, vous aurez aussi besoin d'un taille-crayon, tout ça. Moi, j'en aurais pas besoin. Et de crayon de couleur. Alors, bien sûr, évidemment, on va pas utiliser. On va juste utiliser du noir, du marron et du violet. Alors, si vous avez, il vous faudra un crayon de couleur blanc. Alors, moi, je l'ai perdu. Et je vais. Alors, à la place, je vais gommer. Ou pas. Voilà. On met. Oui, j'ai changé de salle. Alors là, vous voyez un cahier de manga. Alors, vous allez me dire, oh, elle triche. Un cahier de manga. Alors, c'est pour vous dire que pour les yeux, c'est pas du tout la même technique, vous voyez. Alors, moi, j'ai utilisé ma technique à moi. Alors, vous commencez par faire ceci. Voilà. Maintenant, l'étape 2. Alors, pour la deuxième étape, vous faites ceci. Alors, vous repassez, vous coloriez en noir ceci. Et vous laissez une petite boule ici. Et deux trucs ici, voilà. Et vous repassez en noir ceci. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez un peu effacer, parce que enlever les traits, parce que moi, c'est assez moche. Je dois avouer que je ne dessine pas très bien. Voilà. Voilà. Alors, vous, pour la troisième étape, vous prenez une couleur. Alors, moi, j'ai pas de marron, je vais prendre du rouge. Mais vous devrez prendre du marron et vous coloriez les sourcils. Et aussi, vous devez colorier, alors très légèrement, le bas. Voilà. Quatrième étape. Alors, pour la cinquième étape, vous devez colorier la pupille. Ah non, le voilà, en violet. Sans colorier ce qu'on a mis autour. Enfin, sans colorier les boules qu'on a mis. Voilà, comme ceci. Voilà, vous avez terminé votre dessin. Ben voilà. Là, on voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais voilà. Vous avez vu que c'était pas très 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 dur. C'est juste si de bien dessiner ou pas. Bon, ben, au revoir pour bientôt une nouvelle vidéo. Et au revoir!